aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler d'une série sous-cotée. Alors, parce que même moi je la connaissais pas vraiment avant, mais je suis sûre à 100% que vous connaissez au moins 3 secondes de cette série. Extrait maintenant. No God! No God, please no! 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 Voilà, donc je suis sûre que vous connaissez cette série qui s'appelle The Office avec Steve Carell. Le Steve Carell que vous venez de voir dans l'extrait, puisque c'est un mème international qui a été utilisé pendant je sais pas combien d'années et qui continue de vivre, hein, parce que il faut quand même avouer qu'il est très 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 drôle. Et du coup, à force de voir ce mème, je me suis dit mais d'où est-ce que ça vient? Et puis en fait j'avais vu que ça venait d'une série du coup qui s'appelle The Office, donc le bureau, enfin voilà c'est ça pour la traduction. Et en fait c'est tout en fait, c'est juste une série sur un bureau qui vend du papier, donc c'est chez Dunder Mifflin, qui donc est une petite compagnie qui vend du papier. Alors faut se remettre à l'époque, hein, on était dans les années 2005 je crois. Donc il y avait encore par exemple les pages jaunes, enfin le grand client qui voulait c'était justement ces pages blanches, tout ça. Enfin ça et encore je vous décris quelque chose qui n'arrive qu'au bout de quelques saisons. Parce que concrètement le speech de la série c'est un documentaire sur un bureau qui vend du papier. Voilà c'est tout, ça c'est le speech. Alors ça donne pas trop envie comme ça parce qu'on peut se dire on vit déjà peut-être quotidiennement la situation d'être dans un bureau, donc pourquoi regarder une série documentaire sur un bureau? Mais en fait j'ai envie de vous dire, c'est genre trop bien, parce que déjà il y a des regards facecam, mais genre H24, parce que on est vraiment sur un format documentaire, donc on est caméra à l'épaule, en même temps ça bouge pas comme si ça gerbait, ça reste quand même très propre. Et on est souvent avec des... vous savez, genre, le boss, il est sur son bureau et puis on a un plan fixe et en fait, il parle à la caméra en disant « Ah, vous savez, aujourd'hui, j'ai passé une super bonne journée, gnagnagna. » Regard facecam, en fait. Et autant au début, le format prête un peu à confusion parce qu'on sait quand même qu'on est dans une série, donc normalement, les regards facecam, ils sont interdits. Mais là, c'est justement le jeu de l'acteur qui est énorme parce que déjà, quand on a appris à ne pas regarder la caméra pendant je sais pas combien d'années, ça doit être quand même difficile de regarder la caméra. Mais après, en fait, les regards, ils sont genre trop drôles parce que du coup, quand il y a des situations un peu bizarres, parce que alors, faut que je vous le dise, il y a presque aucun protagoniste qui n'est pas taré dans sa tête. On est vraiment sur tous les clichés entre Dwight qui est complètement... complètement dingue, genre c'est un américain pur souche qui vend de la betterave, il est dans une ferme, il a un abattoir, donc il est très rustique, lui il a des valeurs de l'Amérique. Puis on a à côté Kevin, genre un américain obèse et qui du coup joue vraiment le côté j'ai faim. Enfin vraiment on est sur ce côté là, on a aussi Angela qui est croyante et qui est vraiment coincée comme pas possible. Enfin on est vraiment sur chacun à sa petite catégorie de stéréotypes. Et puis en même temps ça marche quoi, je veux dire entre Steve Carell qui du coup joue le boss et qui complètement mais overline quoi, vraiment il fait des blagues, c'est juste pas possible, on ne peut pas faire des blagues comme ça de nos jours. Et là du coup vu que c'est tourné sous le format documentaire, on se dit mais vraiment si on a un boss comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est limite là monsieur. Donc voilà, donc c'est à chaque fois très drôle. Et en fait du coup quand il y a des situations un peu cocasses, genre voilà typiquement donc Michael, celui qui est joué par Steve Carell, fait des blagues un peu genre limite, et bah vous avez par exemple le personnage de Jim qui est mon personnage préféré dans la série. Et bah il est complètement, il a l'habitude, mais si vous voulez avec les caméras en fait, et bah il va les regarder en mode, je sais pas, Steve va dire oh, les femmes elles sont toutes grosses, elles sont toutes, voilà. Bah là Jim il va faire un regard facecam genre. Et c'est tellement drôle, là je me fais trop mal parce que je ne suis pas comédienne, mais c'est genre trop drôle. Et en fait Jim c'est mon personnage préféré parce que c'est l'un des personnages les plus vrais et les plus nature que j'ai eu à regarder de toute ma vie en série. C'est-à-dire j'avais vraiment l'impression que l'acteur ne jouait pas et était simplement lui. Parce qu'on est sur un naturel, j'ai presque envie de dire, tout ce qui était genre Friends et tout,
Et bah, toutes les blagues, on voyait trop qu'elles étaient écrites. Je sais pas comment vous expliquer. Ça marche très bien, hein, mais elles sont écrites. Et on voit bien que c'est du tac au tac, tout ça. Là, il y a le regard facecam, il y a les haussements de sourcils qui est très connu. Et il y a aussi, voilà, tout ce côté flegme qu'il a. Il répond nonchalamment. Et on voit des fois qu'il y a des fous rires, c'est genre des vrais fous rires, parce que c'est impossible que tu rigoles faussement comme ça. Donc je pense que les acteurs, ils ont pris tellement de plaisir à tourner dans cette série que nous, du coup, eh ben, on prend énormément de plaisir à regarder cette série. Et donc vraiment, Jim, qui est un vendeur, eh ben, c'est l'un des personnages les plus vrais que j'ai eu à voir de toutes les séries que j'ai pu regarder. Et il est en crush sur Pam, Pamela ou Pamelia, je sais plus comment elle s'appelle, Pam, qui est elle la réceptionniste, enfin celle qui est au téléphone. Et en fait, ils sont tellement choux, genre j'ai jamais vu une relation aussi adorable à l'écran. Il n'y a aucune négativité dans leur relation. Il n'y a pas de toxicité. Enfin vraiment, Pam, elle est fiancée avec quelqu'un. Et bah Jim, il est amoureux, mais en fait, il va pas la mettre à défaut. Si vous voulez, il va pas la forcer à choisir parce que pour lui, il n'existe pas en fait pour elle. Sauf que bah il y a des fois, et voilà, ils vont faire un match de basket par exemple avec Roy, du coup le fiancé. Et bah ça va être entre lui et Jim. Ouais, c'est pas entre Pam, Roy et Jim. Et je trouve que ça, du coup, ça fait pas de toxicité, ça fait pas de triangle amoureux. Ça fait vraiment du bien parce que ça fait la vraie vie en fait. Dans la vraie vie, on rentre pas dans une salle en disant toi je t'aime mais je sais que tu es fiancé mais j'en ai rien à secouer, tu vas venir avec moi. Là, c'est tellement plus subtil, c'est trop mignon, voilà, c'est trop mignon. J'ai pas arrêté de faire oh à chaque fois que je les voyais, et puis du coup j'ai tellement apprécié l'acteur que là je regarde une autre série, ça s'appelle Jack Ryan, c'est rien à voir. Genre là il joue un mec de la CIA, enfin un truc bien badass. Et encore, j'arrive à retrouver de la bienveillance dans son personnage parce que je pense que l'acteur apporte ça. Il a une sorte d'aura magnifique. Je sais pas. Alors qu'en plus, enfin pour tout vous dire, il ne ressemble à rien de tous les acteurs auxquels j'ai vraiment eu des gros crushs. Il n'a pas spécialement les cheveux noirs. Oui, bah ça va. Voilà, il n'a pas les cheveux noirs. Il n'est pas musclé, à part là, dans la nouvelle série. Mais voilà, je veux dire, il a rien pour lui entre guillemets physiquement. C'est pas le sex appeal. On va trouver dans d'autres séries de beaux gosses, quoi. Là, vraiment, il a rien pour lui, entre guillemets. Si ce n'est un charme et un charisme que, genre, j'ai retrouvé encore chez personne. Donc voilà, The Office, c'est vraiment, genre, trop bien. Il y a des blagues, on peut pas se permettre de les faire. C'est limite, limite. Et en même temps, au fur et à mesure, tous les personnages qu'on va trouver à la fois relous, est vraiment insupportable, et ben on va finir par les apprécier. Et vraiment, le petit bémol, c'est que la saison 9, du coup, la dernière, parce qu'il y a 9 saisons, après, c'est des petits épisodes, hein, donc c'est 20 minutes. Du coup, la saison 9, en fait, Steve Carell est parti. Et là, voilà, là, la série s'essouffle concrètement. On voit qu'ils essayaient de faire survivre la série parce que peut-être que le départ était impromptu. Enfin, je sais pas. En tout cas, on sent bien qu'il y a une fin et que Steve Carell portait en fait le projet. Parce que Steve Carell, quoi, je veux dire, si vous le connaissez pas, c'est un acteur très brillant et il est surtout très bon acteur parce que vraiment, pour avoir vu les épisodes où il est là, savoir jouer un mec aussi débile. Vraiment, c'est ça le mot, il est vraiment débile. Et en même temps, garder son calme et garder son sérieux. Et je veux dire, même les autres acteurs, quoi. Je veux dire, quand t'es face à un mec qui te fait des blagues en faisant la voix d'un singe, t'es là, mais comment tu fais pour garder ton sérieux? Je veux dire. Et on voit bien, certaines fois, il y a des sortes de petits rictus au niveau des acteurs, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, en fait, si vous voulez. Cet homme est drôle, et il est à la fois très gênant aussi. Donc, voilà, c'est vraiment super. Et du coup, pour faire un parallèle avec la littérature, parce que vous êtes quand même là pour ça. Je trouve que The Office, ça me fait un peu penser au niveau des blagues limites à Fab Caro avec ses BD Open Bar notamment. Bon, Zai Zai, ça marche aussi, mais. Enfin, Zai 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 Zai, ça marche aussi, mais Open Bar, je les ai sous le coude. Et en fait, je trouve qu'Open Bar, vu que c'est des blagues en rapport avec notre société, et dans The Office, c'est complètement ça, c'est l'Amérique, c'est les cultures. Genre, typiquement, il y a un épisode où Michael, donc Steve Carell, il apprend que la Chine est devenue leader mondial. Et donc que ce n'est plus l'Amérique qui est leader mondial, mais là je vous explique pas, son monde s'écroule, c'est la fin du monde pour Michael qui pensait que l'Amérique allait être indétrônable parce que c'est la puissance suprême. Enfin vous voyez, c'est genre de délire débile et qui en même temps je pense sont une bonne critique de la société américaine parce qu'on est vraiment sur un cliché et en même temps s'il est là
c'est qu'il est vrai, en fait. C'est que quelqu'un a dû déjà faire cette remarque et que je pense l'acteur, il a dû enfin, l'utiliser, ou les producteurs, ceux qui ont écrit, quoi. Mais là, vraiment, du coup, ces bandes dessinées, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais on est sur un humour aussi un peu limite, hein, on va se le dire, un petit peu limite même beaucoup. On est sur de la critique de la société française, de la critique de la société mondiale. Fab Caro, il est comme ça, hein. Lui, il critique, et puis si t'es pas content, bah tu l'achètes pas et tu la lis pas, la BD. En tout cas, moi, c'est un humour qui me fait extrêmement rire parce qu'on est sur la liberté d'expression, donc je pense que de nos jours, on peut aussi hein, en parler. Je pense que c'est important de continuer de pouvoir dire ce qu'on veut, de rire de ce qu'on veut. Moi, je trouve pas que ça fasse. Enfin, là, on n'est pas sur non plus des blagues racistes ou des choses comme ça. Vraiment, on est sur plutôt une critique de la société. Notamment, lui, il parle beaucoup de tous les bobos parisiens qui, justement, ont des idéaux. Et en fait, en seulement quatre planches, bah, des fois, il y a un dialogue complètement absurde entre un mec qui veut manger des haricots. Puis après, il se rend compte, en fait, que les haricots qu'il a achetés, ils sont pas bio. Mais sur l'étiquette, il y a marqué bio. Enfin, c'est des trucs complètement absurdes. Et du coup, je trouve que ça représente bien un petit peu notre société de nos jours. Parce qu'on est plutôt sur le paraître que sur la profondeur, ou que sur la volonté de vraiment aider, ou de faire les choses bien. Donc, moi, je trouve qu'un petit peu de critique de la société, c'est pas plus mal. Donc voilà, donc The Office, vraiment, moi j'adore. C'était léger, ça a fait du bien. Et là, je veux dire, voilà, maintenant qu'on a fini la série. Bah, je suis un peu, enfin, pas triste, mais je pense que c'était tellement une bonne série en termes de simplicité que je retrouverai pas ça de sitôt, et j'ai pas envie de me lancer genre dans Friends et tout. Ça m'intéresse pas trop. Là, j'aimais bien le côté Steve Carell, le côté le mème et tout. Voilà, c'était un peu le mood, mais là, je pense que je me relancerai pas dans des séries aussi longues, entre guillemets, parce que 9 saisons. Sur de la longueur, ça fait un peu beaucoup. Même si c'est des petits épisodes de 20 minutes. Voilà, donc en fait, juste pour résumer, typiquement, le résumé de Open Bar, c'est pourquoi ne pas voter en déposant un M dans l'urne? Comment réagir face à un bébé éléphant dans son assiette? Les températures annoncées à Metz sont-elles crédibles? Voilà, vous voyez, c'est des délires, mais complètement débiles. Et vraiment, ça me fait penser à Steve Carell et à tout ce qu'il dit, quoi. Donc voilà, vraiment. Open Bar, et du coup il avait sorti Open Bar 2, que j'ai aussi. Et puis voilà, donc si jamais vous aimez ou vous aviez déjà regardé The Office, vous pouvez me le dire en commentaire, parce que je connais pas grand monde qui l'a regardé, parce qu'elle est assez vieille en fait. Je voulais faire cette vidéo de base avec une amie qui habite sur Mâcon et qui m'en avait parlé et qui elle apprécie pas mal. Mais bon, en temps de confinement et de Covid, nous ne pouvons pas, gestes barrières, tout ça, tout ça. Donc à la rigueur, on en reparlera peut-être une prochaine fois, genre en 2022, quand on pourra. Mais là, pour l'instant, voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Et puis, si jamais vous avez des séries dans le même genre, assez décontractées à regarder, mais genre évitez, genre Friends, moi c'est bon, j'ai pas spécialement envie de regarder. Enfin, tout le monde en parle, puis je regardais 2-3 épisodes quand ça passait sur W9. Mais là, ça va, c'est bon. J'ai regardé How I Met Your Mother. Donc je sais pas trop ce qui pourrait convenir en attendant. Voilà. Mais bon, je vais plutôt aller continuer de jouer à The Witcher 3 en attendant. Voilà, allez, sur ce, bonne nuit et à bientôt, et au revoir et bonne fin de journée.